Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez correctement? Bonjour. Sans souci. Sans souci. Parfait, merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, il va être 11 heures. Je vous propose de démarrer notre webinaire. Donc, je vais me présenter. Je suis Christophe Bernet, le responsable du pôle développement durable de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Métropole. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue, hein, sur ce webinaire consacré à une thématique qui n'a longtemps concerné et intéressé que les particuliers, mais qui séduit aujourd'hui, au regard du contexte hydrique, de plus en plus de professionnels et donc d'entreprises et de collectivités. Je veux parler bien sûr de la récupération et de la valorisation des eaux de pluie. Alors, il s'agit ici de la toute première réunion du Club Développement Durable des entreprises d'Alsace que j'ai le plaisir d'animer et qui vous proposera plusieurs rendez-vous sous différents formats au cours de l'année 2024. Alors, cette initiative est soutenue par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, hein, que je tiens à remercier pour la confiance qu'elle m'accorde depuis de nombreuses années. Alors, économiser la ressource en eau, c'est très bien, mais s'agissant des eaux pluviales, quelle est finalement la réglementation en la matière? Comment doit-on s'y prendre? Quels choix techniques? Quelles applications puis-je en avoir? Enfin, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Fontaine, qui est le dirigeant de la société éponyme Fontaine Ingénierie, que je tiens à remercier ici très sincèrement pour sa disponibilité et son concours dans la préparation de cette matinée. Alors, avant de lui céder la parole, quelques petits rappels. Je me dois tout d'abord de vous rappeler que ce webinaire est enregistré et qu'il fera l'objet d'un lien en replay sur YouTube. Vous en avez pris l'habitude maintenant depuis de nombreux mois. Je vous remercie de couper vos caméras et vos micros pour le bon déroulement de cette présentation et pour maintenir la bande passante. Vous pouvez bien sûr enfin poser vos questions en utilisant le canal questions-réponses dédié ou le canal de conversation. Je me ferai un plaisir de reprendre vos questions en fin de présentation et de les livrer à Cédric. En attendant, place à l'expert. Excellente réunion à tous et rendez-vous aux alentours de midi pour la clôture. Cédric, c'est à vous. Bonjour, merci Christophe. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ouais, et je vais repartager l'écran. Je vais couper le partage. Est-ce que l'écran est bon pour vous aussi? C'est parfait. C'est parfait. OK, eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents pour cette heure de, allez, on va pas dire de formation, mais d'information. Sur une ressource qui m'est chère, à savoir l'eau de pluie. Si cette eau de pluie devenait un atout pour vos entreprises, c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans la journée, dans cette heure. L'idée, c'est d'avoir une présentation qui va durer une quarantaine de minutes pour après laisser le temps aux questions-réponses que vous allez pouvoir mettre sur le forum de discussion. Voilà. Alors, je vais laisser un expert du GIEC présenter un peu cette formation. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez entendu, de temps en temps, il y a des problèmes de son, ce que nous disait Jean-Claude Van Damme. Non, pas entendu. Vous l'avez pas entendu. Alors, Jean-Claude Van Damme, il y a 20 ou 30 ans, en buvant cette bouteille d'eau, nous disait: j'adore l'eau, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Alors, il avait eu raison avant tout le monde. Alors, bon, ces propos suivants sur le aware, etc., ont fait qu'on ne l'a pas cru, mais ça fait quand même quelques années que certains se posent la question de cette gestion d'eau. En dehors du côté anecdotique de l'auteur de cette phrase, on a tous remarqué en 2022, alors avant, il fallait un petit peu insister pour faire prendre conscience à la population que l'eau était une ressource qui pouvait être rare, même en France. Peu de gens le croyaient. L'été 2022 nous a malheureusement aidés à prendre conscience de cet état-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte des arrêtés sécheresse. Donc à gauche, c'est celle au 31 août 2022.
On voit qu'en dehors de quelques régions qui sont restées blanches, donc sans arrêté sécheresse, la quasi-totalité du territoire est concernée par des arrêtés sécheresse, avec notamment une grande partie de la France qui est en rouge. Alors pourquoi rouge? Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui au niveau des arrêtés sécheresse, il y a quatre niveaux d'arrêtés sécheresse. Et en fonction de ces niveaux, le préfet va vous autoriser ou surtout vous interdire des usages. Et les interdictions vont être de plus en plus fortes au fur et à mesure que la situation se dégrade. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a du jaune, du orange et du rouge. Rouge étant le niveau maximum. Si vous regardez la carte de droite, vous voyez que ces arrêtés sécheresse, on pense qu'ils sont vraiment dédiés à l'été. Ils ne sont pas forcément dédiés à l'été. Même en fin d'année, on est au 31 décembre 2022, on avait encore des régions qui étaient soumises à arrêtés sécheresse. Et pas n'importe quelle région, vu qu'il y avait par exemple le département d'Ille-et-Vilaine, le département 35 en Bretagne. Alors, ça me permet de jongler sur cet élément-là pour me présenter quand même rapidement. Donc, moi, je suis Cédric Fontaine et je suis un expert de la récupération d'eau de pluie. En tout cas, j'en fais mon métier depuis 2005. Donc, ça fait un petit moment que je travaille sur cette partie en tant que bureau d'études et formateur. Ce sont mes deux activités principales. Alors, pourquoi je fais le lien avec le département 35? Parce que je viens de l'Ille-et-Vilaine. Pour avoir de la crédibilité dans ce métier, on est obligé de s'installer en Bretagne parce que dans l'esprit de tout le monde, la Bretagne est la zone où il pleut tout le temps. Donc même si on est éloigné par la France qui sépare nos deux régions, bienvenue une nouvelle fois aux Alsaciens qui s'intéressent à cette partie de récupération d'eau de pluie. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'il manquait d'eau, on peut regarder un petit peu la pluviométrie française parce que on manque d'eau, on en consomme de plus en plus aujourd'hui, mais pourtant on a une ressource. Alors on a une ressource qui est non négligeable puisque vous le voyez sur cette carte, la pluviométrie moyenne en France est d'environ 800 mm par an. Alors, quand on parle de pluviométrie, on parle toujours en hauteur d'eau. Hein, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle hauteur d'eau il va tomber. Quand vous écoutez les infos, on vous dit hier, une pluie exceptionnelle de 50 mm s'est abattue sur le Gard. C'est toujours cette unité qui est utilisée. Alors, très régulièrement, je demande aux gens comment on transforme des millimètres en litres, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on va récupérer sur nos toitures. Et ben c'est assez simple, le calcul. Vous multipliez le nombre de millimètres par le nombre de mètres carrés sur lequel va tomber cette pluie et ça vous donne des informations en litres. Un millimètre qui tombe sur un mètre carré égale un litre d'eau. Donc 800 mm en moyenne en France. Si je prends par exemple une maison individuelle qui fait 100 mètres carrés de toiture, 800 fois 100, il tombe sur une maison individuelle 80 000 litres par an. 800 fois 100 égale 80 000. Voilà comment on traduit des millimètres en litres. Donc vous qui avez des industries, des entreprises, imaginez la surface de vos toitures, vous multipliez par la pluviométrie annuelle, par le nombre de millimètres, et ça vous donne une idée du potentiel que vous allez pouvoir récupérer. Donc, ces 800 mm sont pas répartis de manière équitable en France. Sur la carte que vous voyez, plus c'est rouge, plus la pluviométrie annuelle est faible. Plus c'est vert, plus la pluviométrie annuelle est forte. On va globalement de 550 mm, la région la moins pluvieuse de France, qui est plutôt la région de Perpignan, donc dans l'arc méditerranéen, à 1450 mm. Ce sont des pluviométries qu'on va trouver dans une zone comme le Pays Basque ou aussi dans des zones comme les Alpes. À la lecture de cette carte, vous devez avoir une certaine surprise, logiquement, parce que vous constatez que la région, par exemple, de la Bretagne Est, tout ce qui est Saint-Brieuc, Rennes, le Nord-Pas-de-Calais, avec Lille et Dunkerque, mais aussi la région Île-de-France, sont des zones plutôt peu soumises à pluviométrie. Alors, c'est là où intervient un premier élément qui est important, c'est quand on parle de pluviométrie, il faut absolument parler de chiffres, de volume d'eau, et non pas de ressenti. Parce que sur cette carte, vous constatez qu'il pleut moins à Rennes qu'à Nice. Ce n'est pas ce qu'on a dans l'esprit. Alors, en millimètres,
C'est vrai, en nombre de jours de pluie, si je suis un peu honnête, breton que je suis quand même obligé de dire que le nombre de jours de pluie à Rennes est plus important que celui de Nice. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Alors si on regarde un petit peu chez vous, ben on voit que l'Alsace est quand même, on va dire, coupée en deux. Il y a d'un côté toute l'Alsace qui va être plutôt côté Vosges, Jura, alors plutôt Vosges chez vous, qui va être soumise à pas mal de pluie. Et puis derrière les Vosges, ben, les nuages vont craquer avant. Il y a beaucoup moins de pluie sur les villes qui sont derrière. Vous avez aussi ben, quelques comparaisons sur ce slide. 1 mètre carré de toiture, pardon, on récupère en moyenne 800 litres à l'année, ça veut dire c'est l'équivalent de 200 chasses d'eau. L'eau qui tombe sur 1 mètre carré de toiture représente 200 chasses d'eau tirées, ou 16 lavages de véhicules à l'eau de pression, ou 10 000 mètres carrés de sol qui peuvent être lavés dans l'année. Donc ça vous donne un peu l'importance, ou en tout cas le potentiel de cette récupération d'eau. Donc je vous ai montré ici la pluviométrie moyenne en France, mais cette pluviométrie n'est. Alors, pardon, un deuxième élément, c'est que on parle beaucoup de réchauffement climatique et de dérégulation du climat, c'est vrai, mais en termes de pluviométrie, ça se traduit assez peu en volume. Le volume, vous voyez ici sur cette courbe, c'est la pluviométrie de Rennes sur 10 ans, donc la bleue, sur 30 ans, pardon, la bleue c'est 81-2010 et la orange c'est 91-2020. Donc j'ai juste décalé mes données d'une dizaine d'années et vous voyez que les deux courbes sont quasiment superposées. Donc le volume d'eau qui tombe à l'année n'évolue que très peu depuis quelques années. Il y a une évolution du type de pluie. On a des pluies de plus en plus violentes et de moins en moins fréquentes, mais à l'année, on a toujours le même volume d'eau qui tombe. Si je regarde la pluviométrie qui peut tomber, bah, on se rend compte que quand on parle de ces événements pluvieux, et ben, en fait, il peut pleuvoir lors d'arrêtés de sécheresse. Ça, c'est un élément qui est aussi très important pour vous. Vous êtes des industriels ou des collectivités et vous pouvez être soumis à arrêtés de sécheresse. Alors, vous allez vous poser la question, dire, est-ce qu'il y a réellement un intérêt de récupérer l'eau de pluie? Parce que quand je suis en arrêté de sécheresse, c'est qu'il ne pleut pas. Ça, c'est ce qu'on va s'imaginer régulièrement. C'est une fausse image. Alors, oui, en 2022, on a eu des arrêtés de sécheresse et un manque de pluie, mais très régulièrement, on peut avoir des arrêtés de sécheresse alors que ce jour-là, il pleut. Je vous donne un exemple. Ici, sur la partie gauche, vous avez la carte des arrêtés de sécheresse au 17 juin 2023, donc l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a quand même toute une zone avec des arrêtés en grise autour des régions du nord, un petit peu à l'est. Donc, ce sont des régions qui étaient soumises à arrêtés sécheresse. Et je vous montre la carte de Météo France pour les prévisions de ce même jour. Vous voyez bien que c'est une zone qui va être arrosée, en tout cas qui a été arrosée ce 17 juin 2023. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on peut avoir des pluies alors qu'on a des arrêtés sécheresse? C'est cette fameuse évolution des pluies. En fait, les pluies efficaces, celles qui vont recharger les nappes, ce sont des pluies qui vont arriver globalement du 1er octobre au 15 mars. Après, donc aujourd'hui, là, depuis quelques jours, la plupart des pluies vont être bues par les végétaux et l'eau ne va pas recharger la nappe. Donc, si on a eu un hiver sec, on va avoir des arrêtés sécheresse qui vont être imposés par le préfet parce que le préfet se base sur l'état des nappes. Mais dans le même temps, on peut avoir des printemps ou des étés pluvieux qui nous donnent une vraie possibilité de récupérer et d'utiliser cette eau de pluie. Donc, attention à cette image ou à ce réflexe qu'on a de dire bah, c'est pas intéressant de récupérer l'eau de pluie parce que je suis en arrêté sécheresse, donc c'est qu'il ne pleut pas. Non, un arrêté sécheresse n'est pas égal à un manque de pluviométrie à un temps T. Je vous montre, après vous avoir montré la pluviométrie moyenne française, l'importance aussi de travailler sur des données qui sont des données très régionalisées et non pas sur des données nationales et qui sont aussi des données les plus précises possibles. On ne peut pas se concentrer, pardon, sur des données annuelles. La pluviométrie de Clermont-Ferrand et la pluviométrie de Nice sont à peu près identiques à l'année. Mais vous voyez que la répartition selon les mois est complètement différente. À Nice, nous avons des vrais mois sans pluie,
juillet, août, avec des pluviométries qui sont inférieures à 20 mm, et des mois extrêmement pluvieux, octobre, novembre, où on peut avoir des pluviométries qui vont atteindre les 140 mm, avec la saisonnalité imaginée par tout à chacun. Il ne pleut pas l'été, il pleut beaucoup en octobre-novembre, à l'automne. Et vous voyez qu'à Clermont-Ferrand, c'est exactement l'inverse. À Clermont-Ferrand, on a plutôt une pluviométrie qui est très faible les mois d'hiver, avec du 40, voire du 25 mm. Et on a des étés beaucoup plus pluvieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours à Clermont-Ferrand. En général, ce sont des pluies orageuses, mais on a une vraie possibilité de faire de la ressource d'avoir des ressources en eau de pluie à Clermont-Ferrand en été. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce schéma, si je fais de la récupération d'eau de pluie pour de l'arrosage d'espaces verts, effectivement, à Nice, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Par contre, à Clermont-Ferrand, c'est extrêmement intéressant. Par contre, à Nice, récupérer l'eau de pluie pour alimenter les sanitaires, par exemple, d'un lycée ou d'un collège, est une solution qui est extrêmement intéressante. Les étudiants arrivent au mois de septembre, début des pluies, repartent au mois de mai, en général, vu que le mois de juin est souvent consacré aux examens. Et donc, jusqu'au mois de mai, on a des pluies qui sont suffisamment abondantes pour alimenter les toilettes de ces bâtiments. Donc, vous voyez qu'en fonction des villes, on ne va pas du tout dimensionner les citernes de la même manière et pas forcément alimenter les mêmes sources de consommation d'eau. Alors, juste pour information, je me suis d'ailleurs, excusez-moi, j'ai fait une faute, j'ai fait ça ce matin. C'est la saisonnalité, non la saisonnalité des précipitations de chez vous. Donc j'ai mis Strasbourg et Mulhouse. Vous voyez que vous avez, alors globalement, il pleut à peu près 800 mm dans les deux communes. Il pleut plutôt 780 à Strasbourg et puis 820 à Mulhouse. C'est un petit peu plus vieux. Vous avez des saisonnalités qui sont assez stables. Et si vous regardez ici, ce qui peut paraître étonnant, mais par exemple à Strasbourg, bah les mois les plus pluvieux de l'année, en dehors du mois de janvier qui est très pluvieux, ça va être les mois de mai, juin, juillet, août. Vous allez plutôt avoir des pluviométries importantes sur Strasbourg l'été. Mulhouse aussi, hein, vous avez notamment le mois de mai qui va être un mois très pluvieux. Alors, vous qui habitez sur place, vous allez dire, mais il ne pleut pas tous les jours à Strasbourg. Non, les 70 mm ou les 80 mm du mois de juillet, c'est peut-être 4 orages de 20 mm qui ont suffi à remplir les cuves. Mais là, de manière très pragmatique, chez vous, il est intéressant de récupérer l'eau de pluie, notamment pour faire face aux arrêtés sécheresses, parce que les mois, on va dire entre mai et septembre, qui sont les mois où j'ai des arrêtés sécheresses, on a quand même des pluviométries qui sont toujours supérieures à 50 mm par mois. Donc, je rappelle, 50 mm sur 1000 mètres carrés de toiture, par exemple, ça fait tout de suite 50 000 litres de récupérer. Alors, au niveau de cette eau de pluie, on a vu qu'il en tombait. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y a des textes là-dessus? Alors, oui, il y a des textes sur ces arrêtés sécheresses, sur cette utilisation de l'eau de pluie, et notamment deux arrêtés. Et celui qui va nous concerner le plus, c'est celui d'en haut, qui est l'arrêté du 21 août 2008, qui est aujourd'hui l'arrêté qui fait foi pour tous les usages d'eau de pluie à des usages domestiques, donc alimentation des toilettes, etc. C'est l'arrêté du 21 août 2008 qui va faire foi. Il y a un deuxième arrêté qui peut aussi intéresser les industriels, qui est l'arrêté du 29 août 2023, donc il y a quelques mois celui-ci, qui concerne plutôt les eaux usées traitées. Mais il intervient aussi un petit peu sur la partie récupération d'eau de pluie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne va pas s'amuser à lire tous les articles de cet arrêté, de ce décret, mais sachez qu'il y a bien une législation qui encadre ces usages. Alors, plutôt que lire les décrets, j'ai préféré le faire de manière un peu plus sympathique via des slides sur les autorisations. La première chose est sur laquelle on va insister, et d'ailleurs Christophe a fait un petit lapsus dessus en parlant d'eau pluviale. Aujourd'hui, on va parler plutôt de récupération d'eau de pluie. Alors vous allez dire, quelle est la différence potentielle? C'est qu'aujourd'hui, au sens de l'arrêté du 21 août 2008, les eaux qu'on peut récupérer pour réutiliser sont les eaux de pluie, et une eau de pluie, c'est une eau qui est tombée sur une toiture non accessible au public. C'est-à-dire qu'on va supprimer
vos eaux de ruissellement, vos eaux qui sont tombées sur des parkings, elles peuvent être polluées par des hydrocarbures, par des mégots de cigarettes qu'on aurait jetés sur le parking, etc. Elles ne font pas partie de cette gamme eau de pluie au sens de l'arrêté du 21 août 2008. Donc hier, c'était principalement les eaux de toiture, mais il y a aujourd'hui, on voit des toitures fleurir, et un des potentiels importants qu'on a avec l'explosion des ombrières photovoltaïques qui sont mises sur les parkings, ça nous donne de nouveaux potentiels d'eau de pluie, parce que l'eau qui tombait sur le parking, c'était une eau de ruissellement. L'eau qui va tomber sur l'ombrière est une eau de pluie, l'ombrière étant inaccessible au public. Donc ça nous laisse des surfaces de captage qui sont très, 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 très importantes. Demain, dans les décrets futurs, on espère que le gouvernement nous autorise aussi à pouvoir utiliser les eaux de ruissellement, les eaux de parking, pour certains usages. Est-ce que réellement une eau de parking ne peut pas être utilisée pour laver des camions, par exemple, avec un traitement en amont, hein, pour séparer les quelques hydrocarbures qu'on aurait pu trouver sur le parking? Ce sont les pistes envisagées aujourd'hui pour augmenter la capacité d'avoir une eau non conventionnelle à disposition. Mais aujourd'hui, vous vous arrêtez sur ce qui est au centre. Eau de toiture, eau d'ombrière, ce sont toutes ces eaux qu'on peut récupérer pour réutiliser. Alors, pourquoi réutiliser ces eaux? Qu'est-ce que nous permet l'arrêté du 21 août? Globalement, l'arrêté du 21 août va nous permettre d'alimenter des toilettes, de laver des véhicules, de faire de l'arrosage, du lave-linge, mais aussi de rentrer dans tous les process industriels qui ne nécessite pas une eau de qualité eau potable. C'est comme ça que c'est écrit dans l'arrêté du 21 août. Donc l'arrêté précise que les toilettes sont autorisées, que l'arrosage est autorisé, etc. Et pour les process industriels, il est bien écrit que l'eau de pluie pouvait être utilisée pour tous les process à partir du moment où ceci ne nécessite pas une qualité d'eau potable. Donc là, c'est à vous, dans vos process, de connaître les exigences de la législation. Si la qualité eau potable n'est pas demandée expressément, vous pouvez remplacer cette eau potable par de l'eau de pluie. Donc ça nous donne énormément de possibilités. J'en ai noté quelques-uns ici, notamment en cas d'arrêté sécheresse. Bah, vous pouvez faire de l'arrosage qui vous donnera des îlots de fraîcheur et qui évitera aussi, par exemple, la perte d'exploitation. J'ai dans ma clientèle des jardineries. Quand elles ne peuvent plus arroser leurs plantes qu'elles vendent, elles, ce n'est pas juste des plantes qui ne sont pas très belles à voir le soir, c'est une perte sèche d'exploitation, du chiffre d'affaires en moins et des produits à jeter si les plantes sont mortes. Donc là, on n'est plus sur des économies d'eau pour ces industriels-là, enfin ces professionnels-là, on est sur un maintien de chiffre d'affaires. C'est exactement la même chose sur le lavage automobile. Aujourd'hui, ben, vous allez pouvoir laver vos véhicules lorsqu'il y aura un arrêté sécheresse, donc c'est l'image de l'entreprise, mais aussi si vous avez une station de lavage auto parce que vous êtes voilà, un commerçant et que vous avez une station de lavage auto sur votre parking, vous allez pouvoir continuer à exploiter cette station avec l'eau de pluie que vous aurez récupérée, même en cas d'arrêté sécheresse, tant que vous êtes sur l'eau de pluie. Il y a plein d'autres usages, l'alimentation des sanitaires, donc là c'est pour faire des économies d'eau, le nettoyage des panneaux solaires. Aujourd'hui, bah, on n'a plus le droit de nettoyer les panneaux solaires en cas d'arrêté sécheresse. La poussière qui va s'accumuler dessus va faire que vous allez perdre en rendement sur vos panneaux solaires. Pouvoir les nettoyer avec de l'eau de pluie vous permet aussi, derrière, d'augmenter le rendement de votre panneau solaire. Donc, il y a les intérêts directs de la récupération d'eau de pluie qui sont vos économies sur la facture d'eau, mais il y a aussi tous ces intérêts indirects qui sont l'image de votre entreprise, qui sont aussi le maintien d'un chiffre d'affaires pour des activités. J'ai une collectivité, je veux nettoyer les rues de la ville parce que la ville devient sale. Il y a eu un orage il y a 3 jours qui ont rempli mes cuves. Je peux remplir mes balayeuses avec l'eau de pluie et ainsi aller laver les rues de la ville. Alors, comment on fait un dimensionnement une fois qu'on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on sait que ce qu'est l'eau de pluie? L'idée, c'est de regarder un petit peu comment on fait un dimensionnement. Donc là, je vous ai pris un exemple d'un bâtiment sur Vannes. Alors, j'ai pris la Bretagne parce que. Et voilà, c'est chez moi. Donc là, on n'a pas forcément quelque chose de très grand. On a un bâtiment qui fait 480 mètres carrés, une toiture en ardoise. Alors, l'idée, c'est bien de raisonner avec des récoltes d'eau, donc la pluviométrie quotidienne. Donc nous,
les professionnels, si on fait bien notre métier, on va aller prendre les données quotidiennes sur au moins 10 ans, hein, pour avoir un retour d'expérience sur les 10 dernières années, éviter de prendre une année trop sèche ou trop pluvieuse. Donc voilà, on va prendre ces données quotidiennes sur les 10 dernières années et on va faire une analyse dynamique où tous les jours, on va regarder si j'avais mis une récupération depuis il y a 10 ans, que se serait-il passé? Eh bien, le 1er janvier 2012, il y a X litres qui sont rentrés dans ma citerne et j'en ai consommé Y et on fait cette analyse tous les jours pour voir un peu ce que j'aurais pu faire avec cette autre. Sur l'arrosage, donc sur les consommations, on va prendre aussi des consommations qu'on va essayer de rentrer le plus précisément possible avec la saisonnalité. Là, je fais de l'arrosage, je sais que j'arrose à hauteur de 480 mètres cubes, 0, pardon, 48 mètres cubes, donc 480 litres par jour. Je fais ça 4 jours par semaine et j'ai une certaine saisonnalité mensuelle, à savoir que si en juillet, je consomme bien 100% de ces volumes, donc 480 litres sur 4 jours, en avril, ma consommation ne représente que 20% de cette consommation, parce que forcément, on arrose beaucoup moins au mois d'avril qu'au mois de juillet en Bretagne. Le lavage des sols, lui, il est 20 litres par jour tout au long de l'année. Donc là, je n'ai pas forcément de saisonnalité. Et pour les WC du personnel et des clients, j'ai des salariés, j'ai des clients qui vont passer dans mon établissement. Là, vous voyez, j'ai des saisonnalités qui me sont données par le client. Voilà, le lundi, j'ai un taux de fréquentation qui est assez faible. Je suis à 30% de la consommation d'un samedi. Et puis après, je peux aussi intégrer des saisonnalités mensuelles. Donc là, c'est le cas d'un, pardon, je n'avais pas précisé, mais c'était le cas d'un hôtel. Donc l'hôtel, bah, c'est plutôt un hôtel qui va avoir du monde le week-end et qui est plein l'été et qui est beaucoup plus vide au mois de janvier et au mois de novembre, qui sont des périodes où les gens visitent un petit peu moins la Bretagne. Donc vous voyez, on va rentrer ces saisonnalités de manière très précise, de manière à avoir ici un chiffre de consommation à l'année que je vais comparer avec ma récolte. Je fais cette comparaison. Hop. Je fais cette comparaison et je vais aller un petit peu plus loin dans mon analyse, où je ne vais pas seulement m'arrêter à une analyse de mes chiffres à l'année, mais plutôt au niveau mensuel. Donc déjà, on voit ici à l'année, sur ce document, j'ai un ratio de 1,79. Ça veut dire que ce que je récolte à l'année représente 1,8 fois ce que je consomme. Alors, on va le retrouver ici. Je récupère 292 mètres cubes à l'année. J'en consomme 163. En théorie, on pourrait dire, bah oui, je peux être autonome parce que je récolte plus que ce que je ne consomme. Donc, c'est ce que me donne ce chiffre ici. Quand je commence à faire une analyse un peu plus précise à l'année, bah, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Là, on a un site où, entre le mois de mai et le mois de septembre, on va avoir soit un équilibre, soit on va être surconsommateur d'eau. La consommation, ce sont les points orange. Donc, on voit qu'en juillet et août, bah, vu que c'est un hôtel, on arrose un peu plus et on a beaucoup de clientèle. Eh bien, je suis un petit peu en manque d'eau. La récolte est inférieure à la consommation. Par contre, sur les autres mois de l'année, à partir d'octobre jusqu'au mois d'avril, je suis surconsommateur d'eau. Donc, de ce fait-là, on va voir que la rentabilité, ou en tout cas l'autonomie totale, peut être compliquée à aller chercher. Et c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir ce que j'appelle une courbe de dimensionnement, qui est celle-ci. Voilà ce que vous allez demander à un professionnel qui va vous accompagner. C'est quelle est l'autonomie en eau ou quelle est l'économie d'eau que je vais pouvoir faire en fonction de la taille de mon stockage. Donc là, on voit que dans notre cas de figure, si je mets une cuve de 4 mètres cubes, par exemple, c'est 70% de ma consommation d'eau pour les toilettes, l'arrosage et le lavage des sols qui sera fait avec de l'eau de pluie. Les 30% restants, notamment en période d'été, seront plutôt de l'eau de ville. Si j'augmente la taille de ma citerne, je décide de mettre une citerne de 10 000 litres, eh bien, c'est 84% d'économie d'eau que je vais faire et 16% continueront à venir de la partie haute ville. Et on se rend compte, et vous allez vous rendre compte si demain vous faites des études, que toutes les courbes de dimensionnement ont cette même forme un petit peu logarithmique, c'est-à-dire que plus vous allez à un moment augmenter le volume de stockage, moins les volumes supplémentaires vont être intéressants. On voit qu'entre une cuve de 12 et 14 mètres cubes, je ne gagne que à peine 1,5% d'autonomie supplémentaire, même chose entre une 14 et une 16. Donc on se rend compte ici que le juste équilibre serait plutôt de mettre une cuve comprise entre 6 et 8 mètres cubes globalement. Si
Sinon, après, je vais augmenter, exploser mes coûts de chantier pour ne pas gagner beaucoup d'eau. Par contre, si je me mets trop à gauche de la cuve, de la courbe, si je mets une cuve de 2 mètres cubes, là, je commence à perdre beaucoup d'autonomie et mon installation n'a plus beaucoup d'intérêt au niveau écologique. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important sur lequel j'insiste, parce que je vois aujourd'hui beaucoup de aller de dimensionnements qui sont faits de manière un petit peu pifométrique, on va dire, ou avec juste des données annuelles, et on voit énormément d'installations surdimensionnées qui peuvent proposer, enfin, provoquer un retour sur investissement qui est très mauvais, et deux, une dégradation de la qualité d'eau. Si votre eau stocke trop longtemps dans une citerne, parce qu'elle est trop grande et que vous êtes par exemple petit consommateur sur certaines phases de l'année, vous risquez d'avoir une dégradation de la qualité d'eau. Donc attention au dimensionnement. Pour avoir une installation qui fonctionne bien, la première chose, c'est d'avoir un bon dimensionnement avec cette courbe et après avec une analyse un peu plus poussée sur le nombre de jours sur lesquels on aurait dû passer sur de notre ville en fonction de la taille de la citerne. Donc là, on voit que si j'ai une citerne de 6 mètres cubes, eh ben c'est en moyenne, quand même, l'été, 16 jours de l'année, je vais passer avec je vais devoir faire un appoint en eau de ville. Et c'est seulement 13 jours, donc c'est, allez, 4 jours de moins, on va passer de 17 à 13 sur les mois de juillet. Donc vous voyez que passer d'une citerne de 10 à 6 mètres cubes ne me fait gagner que 3 ou 4 jours d'autonomie supplémentaire. Donc voilà un petit peu comment on travaille en dimensionnement. Une fois qu'on est, pardon, juste derrière, l'idée c'est d'analyser aussi le volume d'eau que j'ai dans ma cuve tout au long de l'année. Donc là, vous voyez cette courbe, c'est le volume d'eau que j'ai dans ma cuve sur les 10 ans d'études. Hein. Et vous voyez que régulièrement, la cuve atteint les points bas, ça veut dire qu'elle est complètement vidée. Elle déborde aussi de temps en temps. Donc là, on a une courbe avec une 6 mètres cubes, une cuve de 6 mètres cubes qui est bien dimensionnée, parce que là, je vide l'eau, je la revide ici. Donc, je vais avoir un renouvellement de l'eau. L'eau ne va jamais être stockée plus de quelques semaines où elle va être au moins vidangée à 50% la citerne. Donc le renouvellement va être bien fait. Et c'est là où on peut vous garantir une bonne qualité d'eau pour vos usages. Une fois qu'on a fait le dimensionnement, bah, comment marche une installation de récupération d'eau de pluie? C'est ce que vous avez ici sur ce petit schéma. Donc vous avez toujours en entrée de donc vous avez vos descentes d'eau pluviale, en entrée de citerne, vous allez avoir une préfiltration fine. L'idée, c'est d'éviter que toutes les impuretés, les feuilles, les brindilles, la poussière que vous allez avoir sur vos toitures ne se retrouvent dans la cuve d'eau de pluie. Donc là, l'eau va arriver par la gauche de la citerne, l'eau va traverser le filtre et va être stockée après être dirigé par une entrée tranquille dans la citerne. L'entrée tranquille permet d'éviter les remous et d'éviter de remettre éventuellement des matières en suspension dans l'eau. Et le trop-plein, les impuretés vont s'échapper vers le réseau d'eau pluviale qui existe aujourd'hui. Ensuite, vous allez avoir ici la partie haute de ce document. En fait, c'est ce que vous allez avoir dans le local technique. Donc, vous allez avoir un bac tampon qui va faire entre 100 et 1000 litres en fonction de la puissance des pompes que vous utilisez. Alors, ce bac tampon a une double utilité. Mais son utilité principale, c'est de pouvoir faire l'appoint en eau de ville tout en respectant des normes de disconnexion. Vous êtes industriel, vous avez besoin de consommer de l'eau, votre process a besoin de consommer de l'eau. Vous avez décidé de mettre de la récupération d'eau de pluie, comme vous l'avez vu sur le schéma précédent, sur le graphe. Vous n'allez pas être autonome à 100%. Donc, à un moment, il faut bien que, de manière complètement transparente pour vous, quand il n'y a plus d'eau de pluie, vous passiez automatiquement sur le réseau d'eau de la ville. Okay. Donc, ça, c'est ce que permet cette installation. Donc, je vous explique le principe. Vous avez ce bac tampon qui est dans votre bâtiment. Vous avez une pompe ici qui pousse l'eau sur votre process industriel ou sur l'alimentation des toilettes, de l'arrosage, comme vous pouvez le voir ici. La pompe consomme de l'eau. Le niveau du bac tampon va baisser. Et à un moment, je vais avoir des sondes de niveau qui vont dire le niveau baisse, j'ai besoin d'eau et le gestionnaire, qui est la petite armoire électrique qui est ici, va demander à une pompe qui est, elle, positionnée dans la citerne de lui envoyer de l'eau en disant bah, j'ai besoin d'eau, donne-moi de l'eau. Donc la pompe envoie de l'eau de pluie dans ce bac tampon et
Le surpresseur qui est à la sortie de ce bac tampon alimente votre process industriel. Ça fonctionne une semaine, deux semaines, trois semaines. Ça fait trois semaines qu'il ne pleut pas, votre cuve est vide. Donc, le bac de disconnexion continue à envoyer l'information à la pompe qui est dans la citerne. Donne-moi de l'eau de pluie. La pompe, elle, qui a son propre flotteur intégré, sa propre indication de niveau, dit bah, « moi, je n'ai plus d'eau, je ne peux pas t'en envoyer ». Dans ces cas-là, le niveau dans le bac va continuer à baisser un peu et arriver à un deuxième seuil. On va demander une alimentation en eau de ville dans ce bac de disconnexion. Donc, au lieu d'avoir de l'eau de pluie dans le bac, c'est de l'eau de ville qui va le remplir. Et quand je vous parle de disconnexion, c'est qu'on a... Alors, je vais vous expliquer de manière simple parce qu'on n'est pas là pour faire de la technique, mais le législateur ne souhaite pas que l'eau de pluie et l'eau de ville puissent être en contact. Donc, il faut qu'entre les deux, on puisse avoir ce qu'on appelle une garde d'air, donc une petite protection par une lame d'air entre l'arrivée d'eau de la ville et l'arrivée d'eau de pluie. C'est ce que vous voyez ici en haut de ce schéma, j'ai une lame d'air. Sans rentrer dans le détail, j'ai bien une disconnexion qui est assurée et j'ai un appoint en eau de ville qui est assuré. Donc, mon surpresseur qui est en sortie de ce bac de disconnexion, lui, il a toujours de l'eau qui vient de la citerne ou de l'eau de ville, mais lui, il a toujours de l'eau pour alimenter votre process industriel. Il refleut quelques jours après, la cuve se remplit. Prioritairement, c'est la pompe qui est dans la citerne qui va alimenter ce bac de disconnexion et on repasse sur une alimentation en eau de pluie, l'eau de ville n'étant qu'un appoint quand la cuve d'eau de pluie est vide. Donc, vous avez de manière complètement transparente pour vous un passage eau de pluie, eau de ville qui se fait automatiquement en fonction du niveau d'eau dans la citerne. Sur cet élément, vous rajoutez aussi, on a des éléments de comptage qui sont imposés dès lors qu'on rejette des eaux sur de l'assainissement collectif, mais on a toute une série de comptages et ensuite de traitements complémentaires que vous voyez ici comme la filtration qu'on va pouvoir mettre. Donc l'eau de pluie, c'est une eau qui est de très bonne qualité pour plein d'usages, c'est une eau qui est naturellement douce, qui n'a pas de chlore, etc. Ce n'est pas une eau qui est non plus complètement limpide. Il peut y avoir des impuretés qu'on a trouvées sur votre toiture. Il peut y avoir éventuellement de temps en temps des petites bactéries qui se sont baladées. Alors, pas dans l'eau, mais sur votre toiture. Des fientes d'oiseaux, un animal, un chat qui s'est amusé à aller sur votre toiture avec un mulot qu'il avait tué quelques minutes avant et qu'il allait l'abandonner sur la toiture, etc. C'est pour ça qu'en fonction de votre process, de la qualité d'eau dont vous aurez besoin, on peut rajouter des éléments comme de la filtration fine. Donc ça, c'est des simples chaussettes filtrantes, de la filtration au charbon actif, éventuellement de la chloration, éventuellement du traitement par lampe UV. Là, il y a toute une série d'usages d'eau. Entre la personne qui alimente juste des sanitaires où une simple filtration suffira et la personne qui dit « moi, je veux utiliser l'eau de pluie pour abreuver mes animaux » vu que c'est autorisé aujourd'hui pour des élevages. Bien sûr, on ne va pas mettre du tout les mêmes unités de traitement et de filtration derrière. Voilà. Je vous montre juste quelques produits qui existent parce que c'est pareil, on a tendance à toujours imaginer une cuve d'eau de pluie, une cuve enterrée. Alors, c'est le cas. Donc, en cuve enterrée, globalement, on a trois matériaux qui sont les plus utilisés. Vous avez la cuve, on va dire cubique que vous voyez ici, qui est une cuve en béton. Vous avez aussi des cuves plastiques, donc soit des cuves extrêmement plates, soit des cuves, on va dire, traditionnelles. Béton, c'est très bien pour des volumes de 0 à 20 mètres cubes. Le plastique, 0 à, allez, je dirais, 40 mètres cubes. Au-delà de 40 mètres cubes, ça commence à être des grands cigares qui sont livrés. Vous avez donc une autre alternative qui est la cuve en acier, alors acier noir ou acier galvanisé, où là, on est capable d'aller sur des volumes en monobloc de citernes jusqu'à 120 000 litres. Et après, on peut éventuellement mettre plusieurs en série s'il y a besoin. Donc, c'est plutôt la taille de la citerne et les contraintes de chantier qui vont vous orienter vers une solution ou une autre. Mais vous avez d'autres citernes aussi en aérien. Et ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Donc, de la cuve classique en polyéthylène de forme un petit peu des gros cubes qui vont jusqu'à 3000 litres qu'on peut mettre en série, mais aussi des cuves en silo qui sont soit préfabriquées, soit des silos qu'on peut construire sur place, ou un produit qui est imbattable en termes de rapport volume stocké prix,
Ce sont les grosses bâches souples que vous pouvez imaginer, que vous connaissez surtout en réserve incendie, où là on peut aller sur des volumes de jusqu'à 1000 voire 2000 mètres cubes en cuve unitaire. Sur les gestionnaires d'eau de pluie, vous avez exactement la même chose. Vous avez des produits qui vont être adaptés à vos débits, à vos pressions, à vos exigences. Il existe des produits du commerce qui aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui en font. Du petit gestionnaire que vous voyez en haut à gauche, qui est plutôt pour un usage particulier. Alors, c'est pour un particulier, mais ça peut très bien servir si vous avez la volonté de mettre de l'eau de pluie dans vos bureaux et vous avez une quinzaine de salariés pour alimenter 3 ou 4 sanitaires. Ce produit fonctionne très bien. À des produits beaucoup plus imposants, comme celui que vous avez en bas à droite, où là, on a un bac de disconnexion qui fait 750 litres. On a un groupe de pompes, un double pompe derrière. Là, on va être plutôt, par exemple, sur l'arrosage de terrain de sport avec du 10, 15, 20, 30 mètres cubeurs, des pressions de 5, 6 bars. Et puis après, il y a des produits intermédiaires. Donc, il y a toute une gamme de produits aujourd'hui qui est développée par les fabricants qui vous permet de répondre à vos attentes. Que vous soyez un industriel, enfin, que vous ayez besoin d'alimenter 5 chasses d'eau ou un process industriel, vous trouverez forcément la solution qui va bien. On parle souvent de coûts. Donc, je vous donne des indications. Alors, ça reste des indications. Après, est-ce que je vais mettre une cuve en terre, une cuve aérienne, etc. Je peux avoir des éléments qui sont très différents. Coût moyen d'une installation pour une maison individuelle, on estime que c'est 8 000 euros et que vous allez économiser à peu près 60 mètres cubes par an. Il fait 133 euros du mètre cube. Voilà, l'installation revient à 133 euros du mètre cube économisé par an. Sur un immeuble tertiaire, pour alimenter les sanitaires de 150 salariés, etc., on va plutôt être sur des économies annuelles de 300 mètres cubes à l'année pour une installation, elle, qui va être de 15 000 euros. Donc, vous voyez, on multiplie par 5 l'économie d'eau, on multiplie que par 2 le coût de l'installation. Alors, là-dessus, je n'intègre pas les coûts dans le bâtiment s'il y a des modifications à faire dans le bâtiment. C'est vraiment les coûts d'installation de la partie récupération d'eau de pluie. Donc, vous voyez, vous êtes plutôt là, on va tomber plutôt à 50 euros du mètre cube stocké. Et puis, sur de l'industriel, on va plutôt être sur du 2000 mètres cubes par an d'économisé pour des installations aux alentours de 40 000 euros. Donc là, on va tomber sur du 20 euros au mètre cube d'eau économisé. Donc, vous voyez que plus le chantier est gros, plus le retour sur investissement va être intéressant parce qu'il y a une vraie économie d'échelle au niveau de la récupération d'eau de pluie. Une cuve de 100 mètres cubes ne vaut pas 20 fois le prix d'une cuve de 20 mètres cubes et une pompe qui alimente 50 chasses d'eau ne vaut pas 50 fois le prix d'une pompe qui alimente une chasse d'eau. Ce sont des prix moyens que je vous ai donnés. Moi, j'ai des chantiers, j'ai déjà vu des chantiers qui vont à plusieurs centaines de milliers d'euros parce qu'on est sur des cuves de 1000, 2000 mètres cubes sur des installations industrielles énormes, mais pour des gens qui vont économiser 50, 60, 70 000 mètres cubes par an. Donc attention aussi à ces chiffres. Si vous êtes un très gros industriel avec énormément de toiture et énormément de consommation d'eau, les prix peuvent être bien plus élevés, mais les économies aussi bien plus élevées que celles que je vous montre ici. Voilà quelques installations que je peux. Enfin, allez, des petits conseils que je peux vous donner à la fin pour terminer un petit peu cette présentation et être dans le timing de mes 40 minutes. La pluie, c'est une ressource. Donc voilà, le slogan de mon entreprise, c'est rendre les gens heureux quand il pleut. Donc le jour où vous aurez une cuve de récupération de pluie, vous direz chouette, il pleut. Alors, deuxième photo, si l'installation était un showroom, l'idée, c'est pas forcément de faire un showroom, mais souvent, les gens ont tendance à aller cacher leurs installations, vouloir mettre des cuves enterrées, etc. Pourquoi la cacher? Pourquoi ne pas la mettre? Alors, quand on est dans un site industriel, la mettre en évidence, limiter les coûts de chantier, et puis en faire de la communication, dire, vous voyez, ici, ce sont des cuves d'eau de pluie. OK, elles sont visibles, mais nous, on récupère l'eau de pluie. Et puis, soyez aussi un petit peu créatifs. On avait tendance avant à raisonner en un bâtiment égale un usage, mais on peut récupérer l'eau sur une école pour l'utiliser pour le service propreté. On peut peut-être récupérer dans des zones industrielles, on peut peut-être récupérer l'eau sur la toiture d'un industriel qui a justement beaucoup de surface, mais qui est très peu consommateur d'eau.
pour la mettre à disposition de son voisin qui, lui, est plutôt gros consommateur d'eau avec peu de surface. Donc, n'hésitez pas à être aussi créatif dans la manière dont vous allez voir les choses. Ce n'est pas forcément un bâtiment égal un usage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour. Il est 43, donc je suis à peu près dans les temps. Si maintenant, Christophe, vous avez des questions-réponses, j'y réponds avec plaisir. J'y passe volontiers. Cédric, merci pour cette présentation et vos explications très claires. Alors, je vais tout de suite passer aux questions qui ont été posées sur le fil de conversation. Alors, je vais commencer par Jean-Frédéric de l'agence, hein, que je salue au passage, qui pose deux questions et fait un commentaire. Alors, je vais commencer par le commentaire. Effectivement, je le rejoins sur cette analyse. Lorsque on a une surverse au niveau de la citerne, plutôt que de la rejeter dans le réseau EP, autant essayer de faire de l'infiltration à la parcelle. Alors, pour répondre, alors je vais répondre deux choses. Effectivement, je suis 300% d'accord avec vous sur cet élément-là. C'est mon deuxième métier, c'est de faire de la déconnexion des bâtiments. Et je travaille beaucoup avec les agences de l'eau qui aident beaucoup à ce niveau-là pour maximiser l'infiltration, etc. Et j'en profite pour faire passer un petit message aux agences de l'eau. Pour prendre en compte justement la récupération d'eau de pluie dans la réduction des volumes rejetés dans les réseaux. Moi, j'ai fait certains dossiers où on était quasiment en zéro rejet grâce à la récupération d'eau de pluie. Et on a du mal à le faire valoriser justement dans cette désimperméabilisation des bâtiments. Voilà, juste ça. Et les D'accord. questions? Ouais. Alors, les questions, dans le cadre d'une réutilisation d'eau de pluie, notamment pour les toilettes, faut-il demander une autorisation de l'ARS? Non, aujourd'hui, tant que vous êtes dans ce fameux arrêté du 21 août 2008, il n'y a pas de demande à faire auprès de l'ARS ou de quiconque. Vous voulez mettre de l'eau de pluie pour alimenter les toilettes des bureaux de l'agence de l'eau, vous pouvez mettre une cuve de récupération d'eau de pluie sans aucune demande particulière à faire. Merci. Alors, toujours Jean-Frédéric, avec l'utilisation des eaux de pluie pour le lavage des véhicules, est-ce valable également pour le nettoyage haute pression? Oui, aujourd'hui, alors, on est dans un cadre qui ne nécessite pas aujourd'hui une qualité eau potable, en tout cas dans les textes. Moi, ce que je préconise à chaque fois, dès que je suis sur de la haute pression, je rajoute une stérilisation par lampe UV sur la partie haute pression. Pas sur la partie rouleau, pas besoin, mais sur la partie haute pression, je rajoute toujours une stérilisation par lampe UV. Merci. Alors, je vais passer aux questions de Christophe, qui nous demande est-ce qu'on doit traiter les eaux de pluie des toitures? Alors, aujourd'hui, la législation ne nous impose que ce filtre en amont de citerne, donc la finesse de filtration est de 1000 microns ou moins, et ensuite, on peut les utiliser à la limite telle quelle si on a envie. C'est plutôt votre usage industriel ou votre usage dans le bâtiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je récupère l'eau pour faire de l'arrosage au jet d'eau, je rajoute rien du tout en dehors de ce filtre qui est en amont de citerne. Si je rentre dans le bâtiment pour alimenter les toilettes, je vais rajouter de la filtration fine pour éviter d'encrasser les chasses d'eau. Et si je pars sur du lavage véhicule, par exemple, au Karcher, là, je vais rajouter de la stérilisation par lampe UV. Merci. Donc toujours Christophe, pourquoi ne pas envoyer directement l'eau de ville dans la citerne? Alors, plusieurs éléments. On peut le faire, c'est une solution qu'on peut faire. Pourquoi je le fais très peu? Première chose, c'est que la disconnexion dont je vous parle, elle doit être dans le bâtiment. Donc il y en a qui la mettent au niveau de la réhausse de la citerne, elle doit être dans le bâtiment. Il impose de réalimenter la citerne par un tuyau qui n'est pas sous pression, donc ça fait passer des canalisations qui sont assez grosses. Deuxième élément, si j'ai une électrovanne qui se ferme mal, par exemple, sur cette alimentation en eau de ville, je remplis la citerne et je risque de la faire déborder si jamais j'ai une disconnexion. Et tout ça part au trop-plein. Alors, ça s'infiltre ou ça part au réseau, mais c'est de l'eau perdue. Troisième chose, si j'ai un entretien de la citerne à faire, demain j'ai démoussé ma clôture, j'ai oublié de bypasser la citerne. Si ma citerne est polluée, en refaisant passer l'eau de ville dans la citerne, je suis aussi bloqué pour le fonctionnement.
Quatrième point, ça oblige à mettre le surpresseur, donc les pompes de surpression dans la citerne, ce qui est très compliqué au niveau de l'entretien, alors que dans la solution que je vous ai montrée, dans la citerne, ce n'est qu'un vide-cave qui peut être relevé et enlevé de la citerne très facilement. Donc pour des raisons techniques, on préfère cette solution hybride, celle que je vous ai montrée, même si un remplissage de la citerne peut être effectué, certains le font. Voilà, donc c'est pas interdit, mais c'est souvent, enfin moi je le conseille beaucoup moins pour des raisons de maintenance et de risque derrière de défaut de fonctionnement. Merci. Donc une question d'Élodie que je salue également puisqu'on se voit cet après-midi. Donc ça revient, on est complémentaire avec la question précédente. Est-ce que le bac tampon est obligatoire? Oui, à partir du moment où vous avez cette fameuse disconnection qui est obligatoire, donc vous avez une garde d'air entre l'eau de ville et l'eau de pluie, c'est-à-dire que vous perdez la pression du réseau d'eau de ville et donc vous êtes obligé d'avoir un bac tampon qui vient faire une réserve d'eau de ville pour qu'on puisse venir pomper dessus, alimenter directement l'eau de ville sur votre process industriel avec un jeu d'électrovanne 3 voies, par exemple, ce qu'on voit sur des chantiers dans des maisons individuelles, vous seriez hors la loi et ce n'est pas l'objectif, je pense, des lots. Alors là, je vais passer à un commentaire de Mohamed. Donc, il existe des petites centrales de gestion d'eau équipées d'un petit réservoir de 20-30 litres qui permet de garantir la disconnexion eau de pluie, eau potable et permet également de gérer l'installation en fonction de disponibilité eau de pluie. Les petites centrales sont équipées également d'un surpresseur. Cela permet de réduire la surface dans le local technique à faible coût. Alors, oui, exactement. Je reviens, je pense que j'ai repartagé l'écran. Mohamed pense à ces centrales-là. Là, vous avez une centrale qui est, entre guillemets, particulière, sur laquelle vous avez un bac derrière qui doit faire sur ce modèle-là 17 litres. Vous avez le surpresseur, vous avez l'électrovanne. Donc, cette centrale-là, c'est exactement ce que vient de présenter Mohamed. C'est un tout petit produit qui vient se poser au mur, qui fait la taille d'un mini chauffe-eau et qui permet la bascule automatique. Et tout ça, c'est géré de manière transparente. Après, ça, c'est limité à des débits de 2 mètres cubeurs à peu près. Donc, c'est très bien pour alimenter 5 chasses d'eau dans un local technique, enfin, dans une entreprise. Si demain, vous avez un process industriel qui demande 20-30 mètres cubeurs, vous allez peut-être, enfin, aller sur du 5 mètres cubeurs, pardon, vous allez passer sur un produit comme ça. C'est le même, sauf que le bac de disconnexion fait 100 litres au lieu d'en faire 15. Et puis dans l'industrie, vous allez être sur le modèle de droite où là, on peut être sur des modèles beaucoup, beaucoup plus gros. Mais oui, ça existe, des petits produits, il y en a plein. Et là, il y a une dizaine de fabricants qui en font. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire de Maël. Quand sur un site, on récupère déjà de l'eau de pluie dans un bassin et qu'on traite cette eau avec un système de charbon actif, il n'y a plus qu'à connecter l'installation au réseau d'eau et organiser le bac tampon et les réseaux. Oui, alors là, on est sur une limite de l'égalité. C'est qu'aujourd'hui, l'arrêté du 21 août dit que l'eau de pluie qui est récupérée doit être stockée dans un contenant qui est à l'abri de la lumière. Je sais qu'il y a des gens qui pompent de l'eau sur des bassins. Oui, en fait, son bassin serait la citerne. Donc, dans son bassin, on met une petite pompe de relevage qui permet d'alimenter le bac de disconnexion. Dans le local, bac de disconnexion, passage automatique au plus haut de ville, c'est la même chose, sauf que c'est le bassin qui fait citerne. On voit ça notamment beaucoup dans le monde agricole, où ils ne s'embêtent pas à fermer. Ils ont plutôt des lagunes et ils pompent l'eau dans cette lagune. Merci. Une double question de Frédéric. L'eau de pluie étant naturellement douce et pauvre en chlore, est-il possible de la passer dans un osmoseur? Et dans le cadre d'une station de lavage, la consommation annuelle moyenne est de 2000 m3 environ, un portique et deux pistes haute pression. À partir de quelle surface de toiture la récupération en eau de pluie deviendrait-elle intéressante? Alors, première réponse, oui, passer dans un osmoseur, justement, c'est des eaux qui sont naturellement douces, donc qui vont demander moins d'efforts à l'osmoseur pour vous rendre une eau osmosée. Donc, c'est complètement possible et même très, très intéressant. Pour la station de lavage, ben c'est simple. Si vous avez 2000 m3 de consommation, il faudrait avoir à minima 3000 m2 de toiture pour avoir un bon équilibre. Alors,
Ça ne veut pas dire que si j'ai 1000 mètres carrés, si j'ai 1000 mètres carrés, je vais récupérer 800 mètres cubes à l'année. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir économiser 800 sur les 2000. Si je veux atteindre plutôt du 70-80% d'autonomie, il faudrait que j'ai à peu près 3000 mètres carrés de toiture idéalement. Merci. Et puis, une demande de Jean-Frédéric pour qui nous demande justement si on peut transmettre votre présentation pour donc votre PowerPoint et puis ainsi que les arrêtés autorisant le recyclage des eaux de pluie. Alors, pas de souci, moi je vais juste corriger la petite faute là que j'ai faite ce matin, que vous ayez quelque chose sans faute, mais comme je vous l'avais dit Christophe, moi je vous envoie le PowerPoint que vous pouvez diffuser avec plaisir, sans limite, et je vous envoie aussi, juste dès qu'on raccroche, l'arrêté du 21 août sous format PDF que moi j'ai, que vous pouvez diffuser aujourd'hui. Alors, juste pour information, cet arrêté du 21 août 2008 devrait bientôt être obsolète, vu que le gouvernement est en train de travailler sur un décret pour les eaux non conventionnelles à destination de ce qu'ils appellent les usages domestiques. On l'attend pour le début de l'été ou cet été. Donc cet arrêté risque dans 3-4 mois d'être écrasé par un décret, mais pour l'instant, c'est toujours cet arrêté qui est valable. Parfait, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Si quelqu'un veut éventuellement lever la main et prendre la parole. Alors Jean-Frédéric me demande si je vais parler des aides de l'Agence de l'eau. Alors oui, bien entendu, à moins que tu veuilles prendre la parole, Jean-Frédéric, pour en dire un mot. Non? Oui, alors je te laisse dire quelques mots sur les aides de l'agence. Oui, bonjour. Oui, Ça va être très rapide, hein. Ça va, vous m'entendez là, s'il n'y a pas de souci? non, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, sachez que tous les projets qui permettent de faire des économies d'eau, quels qu'ils soient, de façon significative, c'est des projets qui sont éligibles des aides de l'Agence de l'eau. Ces aides-là, selon le statut de l'entreprise, varient entre 40 et 60 %. Et s'il y a besoin d'une étude préalable pour mener à bien cette opération, ces études-là sont également éligibles et bonifiées de 20 %. Hein, voilà. Donc ça peut aller de 60 à 70 %, suivant le statut de l'entreprise. Donc pour le montage de la demande d'aide, ben là vous avez un animateur devant vous, Christophe, hein, qui est là aussi pour vous accompagner pour votre projet, sachant qu'une demande d'aide doit être déposée sous Rivage. Et il faut absolument attendre l'accusé réception du dossier complet avant de commander les travaux. Ça, c'est très important parce que les aides, dans le cas contraire, ne seront pas rétroactives. Voilà un peu pour les grandes lignes. Ce qu'on appelle économie d'eau, donc dans ce qui a été présenté, on va dire, c'est tout ce qui permet de collecter les eaux pluviales, de les stocker et d'amener vers l'utilisation. Voilà, c'est en gros, c'est ça un peu l'assiette qui risque d'être éligible. Petite précision, Jean-Frédéric, s'agissant du tremplin, puisque tu avais évoqué Oui, la question merci. tout à l'heure, l'aide est conditionnée par l'infiltration de la surverse. Merci, hein, de préciser ce point-là. Alors, il y a une condition, effectivement, surtout dans le cas d'un réseau unitaire, où il n'y a pas de réseau pluvial, où là, effectivement, on demande absolument que la surverse soit, on va dire, infiltrée dans le sol et pas raccordée au réseau unitaire. Ça serait, voilà, ça paraît logique. Quand il y a un réseau pluvial dédié, pourquoi pas, hein, la porte n'est pas complètement fermée, mais c'est sûr que nous, on essaye de privilégier des infiltrations à ciel ouvert en mettant en place de la biodiversité, type des noues d'infiltration, si techniquement on peut le faire, hein, localement. Et voilà un peu les orientations et les préconisations de l'Agence de l'eau. Merci Jean-Frédéric. Y a-t-il d'autres Merci à vous. questions? Non, je ne vois pas de main se lever. Si, monsieur Uriot, Oui. je vous en prie, posez votre question. C'était juste savoir faire où on pouvait trouver les imprimés pour la demande. Ah, alors ça, c'est les demandes d'aide se font en ligne sur une plateforme dédiée qui s'appelle Rivage. Je peux vous
venir vous voir et vous aider, vous conseiller, vous accompagner justement dans le montage du dossier. D'accord. Ça fait partie de mes missions d'animateur pour le compte de l'Agence de l'eau. J'ai une question d'Elodie qui me dit « Comment pouvons-nous réutiliser des eaux de parking pour le nettoyage d'engins du BTP ou le nettoyage du dit parking, sachant que les eaux sont stockées dans un bassin ?» Alors, aujourd'hui, on a de plus en plus effectivement de collectivités ou d'industriels qui recyclent ces eaux, qui réutilisent ces eaux pluviales, ces eaux de parking. Dans ces cas-là, on vient vous ajouter en amont de la citerne. Donc entre, alors vous, ça serait en sortie de votre bassin, un très bon filtre qui vient capter les matières en suspension, les résidus de les quelques métaux lourds qu'on peut trouver. Et les quelques hydrocarbures qu'on pouvait trouver aussi. Et après, on a une réutilisation. Donc pareil, si un risque d'inhalation d'eau par l'utilisateur, on vient remettre une solution de stérilisation par lampe UV. Si c'est de l'arrosage à la lance à incendie sur quelque chose qui est beaucoup plus loin, on va faire un fonctionnement comme celui qu'on a vu, mais on vient rajouter, à partir du moment où vous avez des eaux pluviales, on vient rajouter un filtre spécifique traitement eau pluviale que font aujourd'hui 3 ou 4 industriels. Ils ont tous présenté ça il y a 1 ou 2 ans, et on a des filtres qui donnent des très bons résultats en termes de qualité d'eau en sortie de ces filtres. J'imagine, Cédric, pour rebondir sur ce que vous dites, que la maintenance et l'entretien sont très, très importants. Oui, ça, mais alors, merci de le préciser, je ne l'avais pas fait, mais oui, je vais vous donner un exemple. Sur le filtre qui est en amont de la citerne, un filtre qui commence à s'encrasser peut perdre jusqu'à 70% de son efficacité. C'est-à-dire que là, au lieu de récupérer 1000 m3 par an, vous en récupérez plus que 300. Ça, c'est un élément clé. On a énormément. On a régulièrement des gens qui disent oui, mais moi, l'eau de pluie, en fait. Il ne pleut plus dans ma région parce que ma cuve est toujours vide. Et puis quand on arrive, on voit que le filtre est dans un état épouvantable. Encore plus quand on est sur des eaux de parking. Oui, il y a un entretien minimum à faire. Et c'est une installation technique simple, mais c'est une installation technique qui demande à ce qu'on s'en occupe comme chaque installation technique. Alors, concernant toujours la récupération des eaux de bassin, question posée par Elodie tout à l'heure, y a-t-il un arrêté ministériel existant ou un texte de loi ? Non, aujourd'hui, on est sur des eaux pluviales. On attend justement, ça fait partie de ce fameux prochain décret, parce que donc le prochain décret, le terme actuel, c'est les EICH, eaux impropres à la consommation humaine, dans lequel on va parler des eaux grises, on va parler de la réutilisation des eaux usées traitées, et dans lequel on aimerait bien, nous, professionnels, donc moi je suis membre d'un syndicat qui s'appelle l'ATEP, on aimerait bien que ces eaux pluviales soient encadrées de manière plus facile qu'aujourd'hui. Mais une ville comme la ville de Lyon réutilise ses eaux de voirie du boulevard Garibaldi pour remplir ses balayeuses, par exemple. Et Christophe nous précise que la filtration est obligatoire, même pour faire de l'arrosage. Alors, la filtration avant le stockage est obligatoire. Toujours, quel que soit, dès qu'on stocke de l'eau, sinon vous imaginez toutes vos feuilles, imaginons que vous êtes près d'une forêt, vous allez retrouver plein de feuilles sur votre toiture, ça va tomber dans la citerne, ça va macérer, ça va vous faire de la vase. Donc, dès lors qu'on stocke de l'eau, avant le stockage, il faut cette filtration. Merci Cédric, il est 12h02, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clôturer cette réunion, ce webinaire. Alors, merci de votre participation. J'espère que nous avons répondu à l'ensemble de vos attentes. Merci, bien sûr, Cédric, pour vos explications claires et documentées. Alors, n'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez faire partie du Club Développement Durable de la CCI, auquel cas vous recevrez systématiquement les invitations à venir. Je vous rappelle que pour tous vos projets d'économie d'eau, de lutte ou de prévention des pollutions toxiques, de gestion intégrée des eaux de pluie, des eaux pluviales, voire de végétalisation, de maintien de la biodiversité, vous pouvez faire appel aux services de la CCI qui donc vous conseilleront et qui feront le lien entre vous et l'agence de l'eau rameuse. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bon appétit à tous, bonne journée et je vous dis à très vite.